Effectivement, c'est de correctement, j'ai mis des papiers de décharge un petit peu partout. Ce sera de bien vouloir les signer. On va s'assurer que tout le monde a bien signé sa décharge. On est vraiment dans un baquet central avec juste à côté de vous la batterie. Il y a tout, un peu tout qui est visible dans l'habitacle. Donc faites attention à ne pas porter d'écharpe, à ne pas porter de choses longues, à faire attention pour ceux qui auraient des cheveux longs de bien les rentrer dans les casques. Pour moi, ça va aller et pour certains d'entre vous aussi. Privilégier les semelles plates pour avoir un bon ressenti de pédale, ne jamais sortir de la voiture et au grand jamais enlever son casque. Vous avez entre 130 et 140 chevaux, dépendant un petit peu pour l'instant de comment elles sont setupées. Boîte en H, vous avez 850 kg à peu près pour cette puissance-là. Là où il faut faire attention, c'est qu'il n'y a évidemment aucune aide, donc c'est au freinage que vous devrez faire attention, mais ça, vous laisserez nos amis les instructeurs vous expliquer un peu mieux. On a eu le briefing, donc on va essayer de s'appliquer au point, essayer de ne pas sortir, ça va être la priorité. Ça va être, je pense, une belle expérience. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous partager ma meilleure expérience derrière un volant. Nous avons été invités avec mes camarades du sim racing francophone il y a quelques jours par Track Toys, qui nous a permis de se mettre volant d'une monoplace sur le circuit de Folembray. Alors nous avons pris déjà le temps la veille déjà de pouvoir nous rencontrer pour la première fois pour certains. J'avais déjà eu l'occasion de les croiser à plusieurs reprises, comme Maxou le pilote ou bien Richard de Race Clutch. C'était un vrai plaisir de pouvoir tous les rencontrer en vrai, de pouvoir échanger, partager un petit peu ce qui nous lie à travers YouTube. Hein. Le domaine du sim racing, qu'on tente chacun de pouvoir vous partager cette passion. Et puis à travers ça, Franck de Track Toys nous a permis déjà de tous nous rencontrer et surtout de pouvoir passer du virtuel au réel. Une expérience vraiment unique puisque déjà on est tout seul à l'intérieur de l'habitacle de cette monoplace. On est livré à nous-mêmes. Et après chaque entrée au stand, on a le droit à un débrief de la part de l'instructeur qui nous accompagne pour pouvoir relever un petit peu les choses qui sont à conserver ou à améliorer. Et là, je vous partage mes premiers tours de roue.
Vous l'avez vu, un premier tour hyper hésitant où je prenais vraiment mes marques en termes de sensibilité sur la direction, sur le frein, sur le passage de rapport. Vous remarquez aussi de temps en temps que le régime moteur avait tendance à monter assez haut quand je changeais de vitesse, puisque je gardais, lorsque je débrayais, un petit filet de gaz. Ça a d'ailleurs été relevé par l'instructeur, mais ça a été corrigé au fur et à mesure des tours. Et puis vous allez le voir, je vais commencer à prendre un peu plus de confiance et à envoyer un peu plus. Expérience de fou furieux, un peu plus de confiance par rapport au début. Je sais que j'ai encore un peu levé le pied sur le changement de rapport, mais là, mes trajectoires, je commence à un peu plus les travailler et j'ai enfin pu exploiter la boîte 5 parce que j'ai pas osé sur le premier test. C'est dingue, ça prend vraiment dans les mains, c'est très physique. J'ai pas encore full confiance sur le grip parce que des fois, j'aimerais bien prendre une chicane en quatrième par exemple par rapport à la troisième, pour plus de vitesse. Donc ça, on verra sur la session suivante, mais c'est cool. Nous voici déjà à la troisième session où j'avais déjà pris beaucoup plus de confiance que sur les premiers tours de roue. Vous allez le voir, malgré que la piste était humide, j'attaquais assez fort, quelques dépassements, et puis il y a eu un moment où je me suis fait une petite frayeur. Vous allez le voir. Est-ce nécessaire de débriefer cette troisième séance? Franchement, un pied est pas possible. Une petite frayeur sur le freinage parce que j'ai voulu aller chercher tellement large à l'extérieur pour plonger que j'ai mis une roue sur le sable. J'ai eu vraiment une frayeur parce que j'arrivais super vite en quatrième. Dommage de chercher Richard qui a un niveau assez violent, donc c'était du kilo plus fort que moi. J'ai essayé de voir un petit peu justement sur cette session, sur tous les paramètres que j'ai continué à progresser, voir si ça a payé avec quelqu'un qui est plus rapide. C'est comme ça qu'on apprend. Vous l'aurez compris, j'ai pris un énorme plaisir au volant de cette monoplace. Là, on parle pas de physique ou de FFB ou ce genre de choses. Là, on est dans des valeurs brutes. On arrive à beaucoup mieux cerner notre manière de piloter, puisque en fonction de notre trajectoire, nos freinages, la réaction est immédiate. Évidemment, si on se foire pour de bon. Donc vraiment, tous ces paramètres qui rentrent en compte rendent vraiment cette expérience complètement unique. Alors après, il y a un détail, c'est que dans la journée, on a eu l'occasion de pouvoir faire un baptême. D'ailleurs, sur celle-ci, avec Simon, qui est pilote dans la vie réelle et qui nous a permis, en temps de pluie, il pleuvait comme jamais, qui nous a permis quand même de pouvoir voir ce que ce genre de bagnole a dans le sac. Le potentiel de grip, parce que nous, on est encore dans une phase où quand on commence à prendre des tours et qu'on commence à prendre un peu plus la confiance, on se dit, punaise, il y a juste peut-être moyen qu'encore ici, j'attaque encore un peu plus fort en freinant un peu plus tard. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Non, en fait, on a l'impression qu'on est plus ou moins à 70-80% de nos capacités, alors que pas du tout. On est... honnêtement, on est peut-être à 20 ou 30%. Quand on voit un vrai pilote prendre cette voiture-là et de voir le potentiel de cette voiture, on est complètement à la ramasse. On est vraiment bluffé. Donc honnêtement, c'était vraiment l'occasion de voir le réel potentiel quand on met la main, quand on met, du moins on remet la voiture dans les mains d'un vrai pilote. Enfin bref, en tout cas, c'était une journée vraiment exceptionnelle. Et puis j'espère que ces images qu'on vous a partagées, je remercie évidemment infiniment Tractoise. Et puis la personne qui tient cette caméra, Yves Bordelais, que je remercie énormément, qui a été à mes côtés, qui a pu m'assister sur l'aspect vidéo, sur toute cette journée, qui m'a accompagné tout le long. Donc encore une fois, merci à lui. Et puis j'espère que ces images vous auront plu. Et pour ceux qui ont vraiment envie de tenter l'expérience,
foncez.